Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes, partout où vous allez suivre cette vidéo. Que le Seigneur puisse bénir les travaux de vos mains. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes dans votre émission La lumière du soir, où nous voulons partager la parole du Seigneur. C'est de la part de votre frère, serviteur, pasteur Jojo Senga. Nous voulons partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous bénissons aussi tous ceux qui vont nous rejoindre dans ces studios. Nous voulons, par la grâce de Dieu, parler encore de Jean 5, où nous avions, le mercredi passé, expliqué l'ange qui agitait les eaux. Et nous avions dit que l'ange qui agitait les eaux, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui devait amener la guérison. Et nous avions donné l'écriture de Matthieu chapitre 11, où le bien-aimé Jean-Baptiste était allé poser, avait envoyé ses disciples pour aller poser la question au Seigneur si c'était lui qui devait venir ou il fallait en attendre un autre. Et le Seigneur, en répondant à Jean-Baptiste, il avait fait seulement voir à Jean-Baptiste les œuvres qui s'opéraient par ses mains. Les malades guérissaient, les boiteux marchaient, les aveugles recouvraient la vue, et les sourds pouvaient entendre. Voilà pourquoi nous avions expliqué que cet ange qui agitait l'eau de la piscine, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Alors aujourd'hui, je crois que nous serons brefs. Nous avions d'ailleurs pris la décision par rapport à ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous avons pris la décision de pouvoir être brefs, de ne pas faire de longues vidéos, même de longs audios pour permettre, puisque les gens, ils ont beaucoup, il n'y a pas seulement nous, qui enseignons, il y a aussi d'autres prédicateurs qui enseignent, alors pour donner aussi le temps à nos téléspectateurs de pouvoir aussi suivre d'autres prédicateurs. Alors, nous lisons le livre de Jean au chapitre 5. Je suis dans Jean chapitre 5. L'Écriture dit ceci au verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques.
qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était ensevelie. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Voilà. Notre question ce matin, c'est de pouvoir chercher à comprendre, c'était pendant quelle fête, juive bien sûr, où le Seigneur avait guéri cet homme malade, où le Seigneur était passé à la piscine de Bethesda. Nous avons toujours dit que dans les Écritures, il n'y a rien pour rien. Et nous disons que quand le Seigneur Jésus est venu, c'était par une prophétie que le Seigneur Jésus était venu sur la terre des hommes. Et quand le Seigneur était venu, il était venu accomplir la prophétie. Donc pour dire que ce que le Seigneur avait fait même à la piscine de Bethesda, c'était dit par des prophètes. Donc, c'est-à-dire que les prophètes devaient avoir prophétisé cela d'une manière ou d'une autre. Alors, vous allez remarquer que tous les malades qui étaient à la piscine de Bethesda, ils souffraient de maladies incurables. Et ils avaient des problèmes de corps, ils avaient des défauts corporels. Tous. Les paralytiques, un paralytique, c'est quelqu'un qui a un défaut corporel, un aveugle, tout ça. Tous ces gens-là, ils souffraient de maladies incurables. Donc les maladies dont ces gens souffraient, personne de ce monde ne peut guérir ces maladies, si ce n'est que Dieu lui-même. Et nous avons toujours dit qu'il n'y a rien pour rien dans les Saintes Écritures. Donc, les boîtiers, personne ne peut guérir un boîtier, si ce n'est que dit. Parce que quand quelqu'un, par exemple, il est boité, par exemple, d'une jambe droite, pour qu'il arrive à bien marcher, cet homme-là, il faut que Dieu lui donne une nouvelle jambe, puisqu'il n'y a que Dieu qui a créé la jambe. Si quelqu'un, par exemple, est aveugle, personne ne peut lui donner des yeux, si ce n'est que Dieu, car il n'y a que Dieu qui a créé les yeux. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que tous les malades qui étaient autour de la piscine de Bethesda, tous ceux qui attendaient la guérison, ils souffraient de maladies incurables. Mais nous savons que des maladies incurables devant l'homme, devant le Seigneur, toutes ces maladies sont curables. Le Seigneur guérit toutes sortes de maladies. Alors, selon la loi, quand nous lisons le livre de Lévitique, au chapitre 21, il est dit ceci. Nous lisons cela, Lévitique 21. Lévitique, chapitre 21. L'Écriture va nous dire au verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race, parmi tes descendants qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme avec boitier ayant le nez camu ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu
ou grêle ayant une tache à l'œil, la cale, une dâtre ou texiquile écrasée, ainsi de suite. Donc, par rapport à cette écriture, la loi disait ceci, que quand quelqu'un a un défaut corporel, il ne peut pas s'approcher pour offrir à Dieu l'aliment de Dieu. Or, dans la loi, on offrait à ceux qui offraient, c'était des sacrificateurs, mais ils offraient dans le lieu saint. Donc, dans les parvis, c'est là où les sacrificateurs pouvaient offrir à Dieu. Donc, on pouvait amener soit une chèvre, je ne sais pas moi, un bouc ou un agneau. On va mettre cela sur l'autel des holocaustes. Et cela constituait l'aliment de Dieu. Alors, quand on a un défaut corporel, il était strictement interdit à un type pareil de pouvoir s'approcher et offrir à Dieu. Dans un autre langage, quand quelqu'un a un défaut corporel, il ne lui était pas permis d'entrer dans l'assemblée des enfants d'Israël, d'entrer dans les temples. Donc, quand quelqu'un a un défaut corporel, il ne pouvait pas entrer dans le temple. C'était ça la loi. Et quand nous lisons Deutéronome chapitre 16, Deutéronome 16 dit ceci. Deutéronome chapitre 16 au verset 16. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira. À la fête des tabernacles sans levain, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Le peuple de Dieu encore dans le désert, Dieu va donner la loi au travers de Moïse que trois fois par année, tous les mâles vont se présenter devant l'Éternel à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. C'est ici où je commence ma prédication. Donc, trois fois par année, les mâles doivent se présenter devant l'Éternel, devant la face de l'Éternel, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Or, toutes ces fêtes ici étaient des fêtes prophétiques. Puisque Israël avait plusieurs fêtes. Israël avait la fête de Pâques. Israël avait la fête des tabernacles. Israël avait la fête des moissons. Israël avait la fête des semaines. Et toutes ces fêtes, le frère Paul nous dit que c'était des fêtes prophétiques. Et la réalité, c'était en Christ. Alors, par rapport à Deutéronome chapitre 16, il n'y a que les mâles qui devaient se présenter devant l'Éternel trois fois par année pendant ces trois fêtes, la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Or, que veut dire se présenter devant l'Éternel? Quand nous lisons des Chroniques au chapitre 6, après que Salomon ait construit le temple de Dieu, nous lisons l'Écriture. Des Chroniques, chapitre 6. Des Chroniques, chapitre 6. Je lis le verset 40. L'Écriture va dire ceci. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Quand Salomon termine à construire le temple, il va adresser une prière à Dieu. Il va demander à Dieu que ses yeux soient ouverts sur le temple que Salomon avait construit. Dans 2 Chroniques chapitre 7, c'est là que le Seigneur va répondre à la prière de Salomon. Il va dire ceci au verset 15, « Mes yeux seront ouverts, désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Donc, pour dire que les temples étaient les lieux où les yeux de Dieu étaient ouverts. Or, quand on dit que les yeux de l'Éternel étaient ouverts sur les temples,
Dire seulement que le temple était la face de l'Éternel. Donc, quand quelqu'un entrait dans le temple, en réalité, il était devant la face de l'Éternel. Mais quand quelqu'un est en dehors du temple, il n'était pas devant la face de l'Éternel. Pour dire que dans Deutéronome chapitre 16, quand on dit que les deux, trois fois par année, tous les mâles doivent se présenter devant l'Éternel, dans un autre langage, tous les mâles devaient seulement aller au temple, puisque le temple était la face de l'Éternel, car ses yeux étaient ouverts sur ce temple. Donc, quand quelqu'un est dans le temple, il est devant la face de l'Éternel. Mais quand quelqu'un n'est pas dans le temple, il n'est pas il n'est pas devant la face de l'Éternel. Or, il était interdit aux gens ayant des défauts corporels de pouvoir se présenter devant l'Éternel. Dans un autre langage, il était interdit aux gens ayant des défauts corporels de pouvoir entrer dans le temple, de pouvoir être à la face de l'Éternel. Donc, quand on a un défaut corporel, on ne peut pas se présenter devant Dieu. C'était ça la loi. Et tous les mâles, selon Deutéronome chapitre 16, qui se présentaient trois fois par année devant l'Éternel, ils devaient être sans défaut corporel pour accomplir la loi. Alors, quand nous rentrons dans le livre de Jean, chapitre 5, c'est là où nous comprenons que tous ces gens-là, qui étaient devant la piscine de Bethesda, ils avaient des défauts corporels. Pour dire qu'il leur était privé d'entrer dans les tabernacles, dans le temple de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas se présenter devant Dieu à cause des défauts corporels. Un boiteux, par exemple, il avait un défaut corporel, il ne pouvait pas se présenter devant l'Éternel par rapport à la loi. Un aveugle avait un défaut corporel, selon la loi, il ne pouvait pas se présenter devant l'Éternel. Pour dire que tous les gens qui étaient autour de la piscine de Bethesda, personne ne pouvait se présenter devant la face de Dieu à cause des défauts corporels qu'ils avaient. Ça, c'est la loi. Maintenant, quand le Seigneur arrive à la piscine de Bethesda, il va guérir cet homme de 38 ans. Quand tu le guéris, l'Écriture va dire que le Seigneur, que cet homme était entré dans le temple après sa guérison. C'est là qu'il avait rencontré le Seigneur pour la deuxième fois. Pourquoi? Puisque il avait été guéri. Dans un autre langage, le Seigneur lui avait donné un nouveau corps. Voilà. Donc, pour dire que le Seigneur lui avait donné un nouveau corps. Donc, le premier corps avait été un corps, avait des défauts corporels. Avec un corps ayant les défauts corporels, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Mais c'est avec un nouveau corps que maintenant il pouvait entrer dans le temple. Et qui lui avait donné le nouveau corps, c'était le Seigneur Jésus. C'est là où le peuple doit commencer à comprendre. C'est dans le nouveau corps que cet homme était entré dans les tabernacles. Alors, quand nous allons dans Lévitique chapitre 23, nous disons que Israël avait beaucoup de fêtes que Dieu lui avait recommandées. Il y a eu la fête, la première fête, c'était la fête de Pâques. Il y a eu la fête des pains sans levain, qui était d'ailleurs devenue comme la fête aussi de Pâques. Il y a eu aussi la fête qu'on appelle la fête des moissons. Il y a eu la fête de semaine. Il y a eu la fête aussi des tabernacles. Voilà. Il y a eu la fête des tabernacles. Je lis ça dans Lévitique 23. Il y a eu la fête des tabernacles. Je lis dans Lévitique 23. Ok. Lévitique 23. Je vais lire à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants
d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà. Il y a eu aussi la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Or, les tabernacles, c'est quoi? Chaque fête d'abord en Israël avait une signification, avait un enseignement. En commençant par la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est tout un enseignement. La fête des moissons, ainsi de suite. Même la fête des tabernacles, cette fête avait un enseignement. Les tabernacles, en réalité, c'est quoi? Souvenez-vous que quand Israël est arrivé dans le désert, dans Exode chapitre 25, le Seigneur va appeler Moïse sur la montagne. Moïse monte sur la montagne, là Dieu va lui monter un tabernacle dans le ciel. Et Dieu va lui dire de descendre, d'ériger le tabernacle selon les modèles qu'il avait vus dans le ciel. Et quand Moïse est descendu, il a fait le tabernacle. Et après avoir terminé à construire le tabernacle, l'Écriture va nous dire dans le livre d'Exode que la gloire de Dieu était descendue dans le tabernacle. Cette gloire qui était descendue dans le tabernacle, c'était ça la colonne de nuée et la colonne de feu qui dirigeait le peuple d'Israël. Donc cette gloire était descendue dans le tabernacle. Or, cette gloire, c'était Dieu lui-même. Pour dire que Dieu était entré dans ce tabernacle. C'est là où nous comprenons que le tabernacle, en réalité, était la demeure de Dieu. C'était le corps dans lequel Dieu était entré, voilà, pour venir dans le monde. Suivez-moi ici très bien. Moïse a d'abord vu un tabernacle dans les cieux. Et il a représenté ce tabernacle sur la terre. Pour dire que le tabernacle que Moïse avait érigé sur la terre était l'image du tabernacle qui était dans le ciel. Or, nous disons que le tabernacle, c'est seulement un corps. Pour dire que le corps que Moïse, qui était sur la terre, ou soit le corps qui est sur la terre, est l'image du corps qui est dans le ciel. Donc, nous sommes en train de dire que le tabernacle, en réalité, c'est tout un corps. Pour dire que quand on parle de la fête des tabernacles, on parle de la fête des corps. Voilà. On parle de la fête des corps. Nous lisons le frère Paul qui a aussi expliqué cela. De Corinthiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset premier. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Par rapport à cette écriture, le bien-aimé Paul nous parle d'une tente dans laquelle nous habitons aujourd'hui. La tente dans laquelle nous habitons aujourd'hui, dans laquelle nous gémissons, dans laquelle nous souffrons, c'est le corps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chacun de nous est dans un corps dans lequel il souffre, dans lequel il gémit. Le frère Paul va nous dire que ce corps sera détruit. Quand ce corps dans lequel nous sommes aujourd'hui sera détruit, Dieu va nous donner un autre corps qui sera notre demeure éternelle. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une demeure passagère, mais le Seigneur nous donnera une demeure éternelle, c'est-à-dire un corps éternel dans lequel nous allons vivre éternellement. Mais ce corps éternel dans lequel nous allons vivre éternellement, ce n'est pas un corps terrestre, mais c'est un corps céleste. Alors, quand nous continuons la lecture, le frère Paul va dire ceci. Là, nous sommes au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant
Dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà. Donc, par rapport à cette écriture-ci, le frère Paul nous dit qu'aussi longtemps que nous sommes dans ce corps de misère, dans ce corps de souffrance, nous sommes loin du Seigneur. Voilà pourquoi le frère Paul nous prêche la foi. Si nous pouvons dire que nous sommes près du Seigneur, c'est par rapport à la foi. Mais par rapport à ce corps, le frère Paul va nous dire que nous sommes loin du Seigneur. Pour dire seulement que le corps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un corps de défauts corporels. C'est un corps ayant des défauts par rapport à la loi que Dieu avait donnée à Moïse, que quand quelqu'un a un défaut corporel, il ne peut pas s'approcher du temple pour offrir à Dieu l'aliment. Donc, quand quelqu'un a un défaut corporel, il n'était pas digne d'entrer dans le temple, d'être à la face de l'Éternel. Pour dire seulement qu'avec ce corps, on ne peut pas être en présence de Dieu. Pourquoi? Puisque ce corps, c'est un corps ayant des défauts. Voilà pourquoi le frère Paul dit que quand on demeure dans ce corps, on est loin de Dieu. Mais nous disons, nous précisons que c'est par la foi que nous sommes en train de dire que nous sommes avec le Seigneur. Là, c'est par la foi. Mais concrètement, dans la réalité, nous sommes loin de Dieu puisque nous portons encore le corps des défauts. Nous portons encore le corps des souffrances. Nous portons des corps et un corps corruptible, voilà. Alors, il faut que le Seigneur, quand le Seigneur va nous donner un nouveau corps, que nous serons en sa présence pour toujours. Voilà pourquoi, quand nous rentrons à la piscine de Bethesda, le Seigneur arriva à la piscine de Bethesda, c'est lui qui avait donné le nouveau corps à l'homme qui avait souffert pendant 38 ans. Quand tu lui as donné le nouveau corps, c'est alors que cet homme était entré dans le temple. Or, pour avoir le nouveau corps, il fallait seulement attendre la fête des tabernacles. Puisque la fête des tabernacles, c'est ça la fête des corps. Pour dire que ce qui s'est passé, en réalité, c'était pendant la fête des tabernacles. C'était pendant cette fête que le Seigneur avait guéri l'homme de 38 ans. Pour ajouter une autre écriture, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous commençons par le verset premier. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Voilà. Pendant la fête de cette fête des tabernacles, par rapport au livre de Jean au chapitre 7, les gens cherchaient à faire mourir le Seigneur. Quand vous faites la lecture, vous allez remarquer que les frères du Seigneur étaient montés à la fête des tabernacles. Les frères du Seigneur sont montés, mais le Seigneur a dit qu'il ne va pas monter. Mais au milieu de la fête, c'est là que le Seigneur est parti. Et quand les gens étaient pendant cette fête des tabernacles, l'Écriture va nous dire que les gens cherchaient le Seigneur au milieu de la foule. Là, c'est au verset 11. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Puisque le Seigneur avait dit qu'il ne va pas monter à cette fête-là. Mais après que les gens soient montés à la fête, l'Écriture va nous dire que le Seigneur était monté à la fête en catimine. Et les Juifs cherchaient le Seigneur dans cette fête. Écoutez, quand nous lisons le verset 23, le Seigneur va dire ceci. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat,
afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Le Seigneur Jésus, comme pendant la fête des tabernacles, là dans Jean chapitre 7, les gens les cherchaient pour les faire mourir, le Seigneur va leur rappeler ce qu'il avait fait pendant la fête des tabernacles, précédente. C'était à la fête précédente que le Seigneur avait guéri un homme entier, mais les jours de sabbat, puisque c'était une fête qui prenait aussi 7 jours. Le Seigneur va dire que si, pour observer la loi de Moïse, vous circoncisez quelqu'un les jours du sabbat. Mais pourquoi vous voulez me lapider puisque j'ai guéri un homme entier les jours du sabbat? Or, l'homme entier que le Seigneur avait guéri, c'était l'homme qui avait souffert pendant 38 ans. L'homme qui était paralytique pendant 38 ans. C'était lui l'homme entier. Donc, le Seigneur va répéter cette histoire à la fête des tabernacles prochaine. Donc, à la suivante fête, le Seigneur va répéter ce qu'il avait fait à la première fête des tabernacles pour dire que pourquoi vous voulez me lapider. Donc, pour dire que le Seigneur, en venant dans le monde, il devait accomplir la prophétie. On pouvait avoir le nouveau corps seulement à la fête des tabernacles. C'est à la fête des tabernacles qu'on peut avoir le nouveau corps. Voilà pourquoi cet homme de 38 ans, c'était à cette fête que le Seigneur lui avait donné le nouveau corps. Et dans ce nouveau corps, il est entré dans le temple. Pour terminer, nous avons dit que nous serons brefs. Pour terminer, nous allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous lisons à partir du verset. Apocalypse chapitre 7, nous lisons à partir du verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu, et les servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur son trône, dressera sa tente sur eux. Voilà. Par rapport à cette écriture, le frère Jean a eu une vision, il a vu une foule qu'on ne pouvait pas compter devant le trône de Dieu. L'ange va lui poser la question, l'un des vieillards va lui poser la question, qui est cette foule? C'est alors qu'on va expliquer à Jean que cette foule, ce sont les gens qui viennent de la grande tribulation. Or, ceux qui vont passer à la grande tribulation, ce sont les 144 000 et les vierges folles. L'Écriture va dire que pourquoi ils sont devant les trônes? Ils sont devant les trônes puisqu'ils ont blanchi leurs robes, ils ont blanchi les robes dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes. Or, parler de la robe, c'est parler aussi, la robe c'est tout un vêtement. Or, le vêtement, selon Hébreu, c'est aussi un corps. Pour dire que ces gens, ils ont un nouveau corps. Pour confirmer qu'ils ont un nouveau corps, voilà pourquoi au verset 15, l'Écriture va dire que s'ils sont devant les temples de Dieu, c'est parce que le Seigneur va dresser sur eux sa tente. Or, la tente du Seigneur, c'est le corps du Seigneur, pour dire que le Seigneur va leur donner son corps. Or, le corps du Seigneur, c'est un corps qui est sans défaut. C'est un corps qui est céleste.
pour dire que ces gens ici, dans Apocalypse chapitre 7, les gens qui vont venir de la grande tribulation, ils auront aussi les nouveaux corps pour être devant le Seigneur. Et nous aussi, qui serons enlevés, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le frère Paul va nous dire qu'en un clé d'œil, nous serons changés. Ce changement, c'est le changement des corps. Puisque le frère Paul a dit que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, pour dire que c'est en l'enlèvement que nous allons avoir un nouveau corps pour apparaître devant le Seigneur Dieu. Puisque devant la face de Dieu, on ne peut pas apparaître avec ce corps des défauts, ce corps corruptible. Mais devant la face de l'Éternel, on va paraître avec un corps nouveau. Et ce corps nouveau, ça sera le corps céleste, le corps de Dieu. Nous allons porter le même corps avec Dieu. Donc, le corps incorruptible. Voilà pourquoi le frère Paul parle de corps céleste et de corps terrestre. Aussi longtemps que nous sommes dans le corps terrestre, nous gémissons, nous souffrons. Dans le corps terrestre, nous sommes loin de la face de l'Éternel, mais c'est dans le corps céleste que nous serons en présence définitive de l'Éternel Dieu. Alors, nous sommes en train de dire que cette fête des tabernacles, c'est ça même, parler de la fête des tabernacles, c'est parler même du royaume de Dieu. Puisque ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, ils n'auront pas ce corps, mais ils auront de nouveaux corps, les corps incorruptibles, les corps qui ne peuvent jamais être détruits. Mais les corps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ce sont des corps corruptibles, ce sont des corps qui vont mourir un jour. Et le frère Paul nous dit que dans ce corps, nous sommes en train de gémir. Voilà pourquoi, quand nous lisons par exemple, nous profitons aussi pour répondre aussi à une question. Quand nous lisons par exemple le livre de Jean, au chapitre 20, Jean chapitre 20, nous lisons Jean chapitre 20, je lis le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Seigneur Jésus, après la résurrection, Marie avait voulu le toucher. Le Seigneur va dire à Marie de ne pas le toucher puisqu'il n'est pas encore monté vers le Père. Or, avant que le Seigneur Jésus meure, les gens pouvaient le toucher. Marie pouvait le toucher. Les gens de mauvaise vie pouvaient le toucher. Même cette femme-là, qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans, avait touché le Seigneur. Or, selon la loi, quand une femme est dans sa période, elle ne peut pas toucher quelqu'un. La personne qu'elle va toucher, la personne deviendra impure. Car la femme qui coule le sang, selon la loi, elle était aussi impure. Alors, la femme-là, qui avait coulé le sang pendant 12 ans, quand elle avait touché le Seigneur Jésus, l'Écriture nous dit que sur les champs, cette femme-là était guérie. Dans un autre langage, elle était devenue pure. Mais la loi dit que si la femme coule le sang, touche quelqu'un, la personne deviendra impure. C'est là où nous comprenons que la femme-là, qui avait coulé le sang pendant 12 ans, comme elle avait touché le Seigneur était devenu impur et elle était devenue pure. Et le Seigneur était devenu impur à cause de cette femme. C'est là où nous enseignons que le Seigneur Jésus, en venant du ciel, il ne portait pas un corps d'impureté. Mais il était devenu impur à cause de nous. Alors, quand le Seigneur meurt, on l'enterre, quand il le ressuscite avec un nouveau corps. C'est dans ce nouveau corps qu'il est monté dans le ciel, dans la présence de Dieu. Voilà.
Voilà pourquoi, comme le Seigneur était resté avec un corps incorruptible, quand la femme avait voulu le toucher, le Seigneur avait dit que ne me touche. Ne me touche pas pourquoi? Ce n'est pas puisque la femme coulait le sang, mais c'est puisque le Seigneur avait porté un corps nouveau. Ce qui était arrivé au Seigneur, c'est un enseignement pour dire que quand nous aussi, nous allons résister des morts, nous allons porter un corps nouveau, c'est dans le corps nouveau que nous allons paraître à la face de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes loin de Dieu à cause de ce corps. Mais nous disons que c'est par la foi que nous disons que nous sommes près de Dieu. Mais dans la réalité, selon ce que le frère Paul a expliqué, nous sommes loin de Dieu à cause de ce corps de péché dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous terminons par le livre de Jean chapitre 14. L'Écriture dit ceci au verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Voilà. Le Seigneur promet qu'il va nous préparer une place et que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Les demeures dont le Seigneur parle ici, c'est ça le corps dans lequel chacun de nous vivra éternellement. Ces demeures, ce ne sont pas des maisons qui peuvent être détruites. Ce ne sont pas des maisons que les gens construisent, mais ce sont les corps dans lesquels nous allons vivre. Pour dire que la fête des tabernacles que les enfants d'Israël, la fête des tabernacles que les enfants d'Israël fêtaient chaque année, ça parlait seulement de la fête des corps. C'est-à-dire qu'à la fête des tabernacles, on allait pour fêter la fête des corps, pour dire que on va porter maintenant les corps nouveaux, les corps célestes. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient à la piscine de Bethesda, il va donner à cet homme un corps nouveau afin de le permettre de pouvoir entrer dans le temple. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Que le Seigneur puisse bénir la présence de chacun de nous. Et nous voyons aussi la présence de l'évangéliste Iles Bolingo. Que le Seigneur puisse aussi vous bénir. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Je pense qu'à la semaine prochaine, si le Seigneur nous fait grâce.